Salut à tous et à toutes, c'est Oliver Pasma et on est parti pour Sonic Advance 1, le premier Sonic Advance sur Game Boy Advance, fait par la team Sonic, la Sonic Team de Sega, bel et bien évidemment. Donc là, c'est une run faite par moi. Regardez, Sonic qui sort de l'écran carrément. Le scrolling qui n'arrive pas à suivre Sonic, c'est le petit détail qui tue tout. C'est ce qu'on voyait, on voyait ça très souvent dans les tout premiers Sonic sur Mega Drive, et on peut revoir ça sur le Game Boy Advance. Donc voilà, c'est très impressionnant la vitesse. Et là c'est une run, je vais vous faire tout le jeu en même temps, et je fais la même technique que pour Rayman 3, c'est-à-dire que je commente pas en direct, je fais à moitié la voix off. Ça fait plus classe. Et comme ça, c'est plus pratique. C'est plus pratique de faire une run magnifique sans commenter, tout simplement. Même si c'est pas. Ça va pas non plus être bluffant. C'est pas un speedrun, hein. Je vous avertis tout de suite que ce n'est pas un speedrun. C'est juste une bonne partie, on va dire. Et. Je vais pas faire bugger le jeu. Car moi, je m'y connais pas là-dessus. Même si une fois, j'ai fait un glitch. Je sais pas comment j'ai fait. Hélas, vous allez pas voir ça dans la vidéo. Car j'ai pas réussi à la refaire. Je l'avais fait une fois, mais c'était sur ma Game Boy Advance. Il y a pas si longtemps que ça, en plus, quand je me suis refait une partie. Juste pour m'entraîner comme ça, pour pouvoir faire la run comme ça après. Puis j'avais réussi à faire un bug. Si seulement j'étais sur mon ordi à ce moment-là. Enfin voilà. Comme ça, j'aurais pu filmer. Bon là c'est le premier boss, j'ai fait un espèce de fail au début parce qu'en fait Sonic peut faire un dash en appuyant sur deux fois sur la flèche directionnelle, enfin la croix directionnelle, deux fois vers la droite si vous voulez aller vers la droite et deux fois vers la gauche si vous voulez aller vers la gauche. C'est un petit dash et sympa pour ceux qui veulent aller assez vite parce que Sonic il prend vraiment son temps hein, dans cet épisode, il met du temps à démarrer au début. Voilà, le premier niveau fini, enfin le premier monde qui nous faisait vaguement penser à la Green Hill Zone. Et là c'est le deuxième monde qui va se passer dans une base du Dr Eggman. Même si on n'est pas déjà dans la base de Dr Eggman, faut pas non plus exagérer. Enfin on n'est pas déjà à la fin, je veux dire. Voilà, le bouclier, si on se fait toucher, ben, on perd le bouclier, mais c'est tout, on perd pas nos anneaux, donc c'est fort pratique. Et aussi je ferai du même style la run de Sonic Advance 2 et 3. Ce sera la même chose que ce Sonic Advance 1 là. Donc je commenterai pas en direct. Bon, c'est une façon que j'ai bien aimé en tout cas. Bien sûr j'ai copié sur quelqu'un qui est très connu. J'ai copié sur le grand Hooper. Car j'avais fait ça également sur Rayman 3, je vous le redis. Et je trouvais que cette technique était vraiment bien, hein, de pouvoir parler en même temps en regardant sa run. Même si dans Rayman 3, en fait, je ne regardais pas ce que j'avais fait. J'avais même pas fait encore le montage quand je parlais, donc voilà. Donc, c'était quand même bien, la vidéo était quand même pas mal. Voilà, vous voyez quand même que c'est assez rapide quand on connaît le jeu. Le 2, Sonic Advance 2 sera un tout petit peu plus long que celui-là. En tout cas, là, la vidéo va faire à peu près 40 minutes, mais c'est vraiment parce que je vais vous montrer aussi le gameplay des autres personnages. Car oui, on peut jouer Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose dans cet épisode. Knuckles Enshinda, un truc du genre, et Tails, Mil Tails Power. Donc bon, et là en fait je filmais sur un émulateur, hein, bien sûr. J'étais pas avec ma Game Boy Advance en train de galérer. Bon, et je vous dis tout de suite, les deux Sonic Advance 1 et 3, je les ai en vrai hein, sur la Game Boy Advance.
Mais le 3, en fait, le 2, je viens juste de le faire il n'y a pas si longtemps que ça sur émulateur. Et finalement, j'ai peut-être bien fait de pas l'acheter, le 2. Je veux dire ça pour pourquoi dans Sonic Advance 2. Je le trouvais quand même moins bon que les deux autres. Bon, peut-être parce que je l'avais pas fait à l'époque, je sais pas. Mais je trouvais que c'était. Enfin, je dirais de toute façon ma conclusion, pourquoi je l'ai trouvé moins bien. De toute façon, pour moi, Sonic Advance 1, c'est 50% plateforme et 50% vitesse, comme vous pouvez voir. Et Sonic Advance 3, pour moi, c'est plutôt de. Si vous aimez les niveaux labyrinthiques, eh ben, faites celui-là, hein. Beaucoup de niveaux sont labyrinthiques et on s'y perd très souvent. Même si dans la run que je viens de faire il n'y a pas si longtemps que ça, eh ben, vous allez voir que quand même je me perds pas trop. Un peu logique en même temps. Fallait faire quand même un truc pas mal. Voilà, l'autre boss qui est très très facile. En plus, je l'ai bloqué complètement à la droite de l'écran pour pouvoir l'avoir facilement en retournant à chaque fois sur sa skill. Enfin, sur sa skin plutôt. Donc voilà, c'est fini. On ne peut, hélas, dans cet épisode-là, on ne peut pas appuyer les points. Enfin, on peut pas mettre les points à zéro quand on appuie sur le bouton A d'un coup. À chaque fois, il compte les points et on est obligé d'attendre à la fin du niveau. Ah, c'était en dessous là que j'ai réussi à faire un glitch. Je suis carrément passé en dessous du décor, carrément tout en dessous. Il n'y avait rien en dessous hein, et ça a fait une espèce de glitch. Carrément, j'allais juste vers la droite. Au début, je revenais pas mes yeux. J'allais juste vers la droite. Pouf, il allait d'un coup vers la gauche. Il allait super vite. Et puis je refaisais vers la gauche et là, il allait vers la droite super vite. En fait, les commandes étaient inversées, c'est très étrange. Et après, il est ressorti du trou, quoi. Enfin, bon, des glitches qu'on a l'habitude de voir dans des speedruns, quoi. Mais c'était impressionnant de le faire soi-même, hein. En plus, j'étais même pas sur émulateur, donc voilà. C'était de la grosse chance. Voilà, celui-là, ce niveau-là, il remplace Casino Night, le deuxième niveau Non, je sais même pas si c'est le deuxième niveau. Enfin, un niveau de Sonic the Hedgehog 1. Parce que j'ai quand même pas mal comparé entre Sonic the Hedgehog et Sonic Advance. Bah, pour moi, les premiers Sonic, pour moi, que j'ai connus, c'est les Sonic Advance. Mon tout premier Sonic, c'est celui-là. C'est pas sur Mega Drive. Car moi, j'avais pas de Mega Drive, moi, c'était une NES. C'est encore plus incroyable, techniquement. Vous voyez, je me suis quand même fait toucher, hein, mais bon. C'est pas bien grave. Des fois, par exemple, dans Sonic Advance 3, c'est fait exprès, des fois que je me fasse toucher. C'est plus rapide de faire comme ça. Ça peut paraître con, mais c'est comme ça. Vous voyez l'arrière-plan qui est vraiment sympa avec la mer. Au clair de la lune. C'est beau. Si vous voulez faire une lune de miel avec votre petite copine, bah vous pouvez aller là. Hein, au Casino Night 2.0. Voilà, cet ennemi-là, ce boss-là, eh ben, n'est pas très compliqué, mais il peut être un peu saoulant, à force. Car là, j'ai de la chance, il va toujours vers moi, mais des fois, il va pas aller vers moi, et ça, c'est saoulant. Comme par exemple là, il va toujours être en bas. Donc, je suis obligé de bouger mes fesses, quoi, pour l'avoir. Et ça peut être pénible. Bon, là, je me suis fait toucher, mais c'est pas grave. Donc voilà, pour moi, 50% de plateforme, 50% vitesse, celui-là. Et le 3, c'est les niveaux labyrinthiques.
Et le 2, c'est 100% vitesse, hein, c'est presque pas de plateforme, c'est super facile. C'est ça le problème dans le 2, c'est... Mais des fois, t'es obligé de crever, par contre. Des fois, y a des trous, et c'est pas possible de les esquiver, quoi, tellement que tu vas vite, la première fois. C'est juste après, tu fais gaffe, là, qu'il y a un trou et tout, parce que tu sais qu'il y en a un, quoi. Donc c'est un peu du Die and Retry, hein, dans le 2. Ce que j'ai moins bien aimé. J'ai moins bien aimé le deuxième épisode que le premier, là. Franchement, c'est mon préféré. De loin, même si le 3 est très bon aussi. Mais le 3, c'est peut-être parce que... C'est peut-être parce qu'il y a eu les chaos. C'est bien qu'il n'y a pas de chaos. Même s'il y a quand même un mode de chaos, hein, là, dans le 1. C'est un peu comme dans Sonic Adventure. En fait, l'inventeur des chaos, c'est Sonic Adventure 2 Battle. Hein, en tout cas, je pense que c'est lui. En tout cas, c'est grâce à lui que j'ai connu les chaos. Plutôt à cause de lui, mais c'est pas grave. Et donc, voilà, ces petites créatures qui ressemblent à des Pokémon. Bon, vous voyez encore, là, le niveau... Je vous ai pas parlé de ce niveau-là, mais... Le niveau enneigé qui est vraiment magnifique. Pour de la Game Boy Advance, ça déchire. Rappelons que la Game Boy Advance est quand même un tout petit peu moins puissante qu'une Super NES. Donc, bon. Ça en jette quand même, là, en voyant ça. C'est... Avec les ondulations, là. C'est la classe. Remarquez aussi la musique... Enfin, le jingle de la vie qui est magnifique. Qui est aussi bien que celui de la version Mega Drive de Sonic the Hedgehog 1. En tout cas, pour moi, c'est une espèce de remix. Tout ça pour un jingle. Mais quand même. Maintenant, ils font des jingles de merde dans les nouveaux Sonic. Pour la vie. Bon, remarquez aussi là la musique qui est vraiment pas mal. Ah, c'est aussi les musiques qui m'ont moins plu dans le 2. Dans le 3, ils ont recommencé à faire des bonnes musiques, mais les meilleures musiques, c'est dans celui-là, dans le 1. Parce que je trouve qu'il utilise vraiment bien les capacités de la Game Boy Advance au niveau sonore. Comme, par contre, dans le 1, dans le 2, j'ai l'impression qu'ils ont bâclé la bande son. Même si les musiques sont quand même sympathiques, mais pour de la Game Boy Advance, c'est faible là. On a l'impression d'être sur Game Boy Color. Parce que des fois, il y a des bruits qui font 8 bits, ça fait pas terrible. Alors que là, vous voyez le jingle de Sonic the Hedgehog 1, quand on est au tout début, à l'écran titre. C'est la même musique, mais remixée quand on est invincible, là. Donc voilà, pour les nostalgiques de Sonic the Hedgehog, et ben vous pouvez avoir Sonic Advance, qui est très bien pour les nostalgiques, mais aussi très bien pour ben ceux comme moi qui viennent juste de connaître ce héros. Que moi, je l'ai eu à l'époque en 2001, ce jeu-là, donc ça date quand même, mais bon. Moi, j'ai surtout tout de suite connu Mario, et pas Sonic. Bon, alors, encore un boss quand même assez original. En fait, il y a juste le premier boss qui est un peu pourri, sinon les boss d'après, ou le deuxième aussi. Sinon, les boss d'après, ça peut aller. Ils sont souvent assez originaux. Là, vous voyez, il balance des stalactites. Il fait tomber des stalactites pour nous avoir, pour nous planter. Mais en même temps, ça nous aide, car on peut se servir de ça comme plateforme pour les foncer dessus, quoi. Donc voilà, là on est déjà rendu assez loin dans le jeu. Je vais regarder vite fait à combien de minutes. 15 minutes 38. Enfin... Je dis ça, mais j'aurais peut-être pas bien mis en même temps le son de ma voix.
Donc vous serez peut-être à 15 minutes 37, vous, mais c'est pas grave. Ou même plus, plutôt, parce que là, j'ai pas du tout compté le générique aussi du début de nos vidéos test. Alors là, c'était un petit fail, mais c'est pas grave. Je me suis rattrapé en faisant un deuxième spin dash. Oui, parce qu'on peut faire le spin. Pour les mouvements, hein, j'en ai toujours pas parlé. On peut faire avec Sonic le spin dash, toujours présent, qui est apparu dans Sonic the Hedgehog 2. On peut faire l'espèce de dash comme vous avez vu avant pour aller plus vite, que je vais peut-être refaire là, je ne sais pas. Ah, il a pas envie. Je n'avais pas envie de le faire. Bon, voilà, vous avez vu quand même en gros ce que c'était, l'espèce de dash dans les airs là. Bon, et sinon, si vous voyez que ça lag des fois, c'est normal parce que. En même temps, en compressant la vidéo, après, c'est ce que ça fait, voilà. Surtout dans un jeu rapide, ça se voit. Quoique encore, là, ça lag pas trop, mais il y a quelques fois où il y a des petites latences. Et des fois, ça peut être des lags dus à l'émulateur, aussi. Donc, faut pas se baser là-dessus, hein. Sur Game Boy Advance, il n'y a aucun lag. Vraiment aucun. Et... c'est ça qui est vraiment plaisant et... Ah, la petite fail. Bon, ça va être le seul petit fail, je pense, dans cette vidéo. Voilà, on court sur ces plateformes pour pouvoir avancer. C'est un concept assez original. Ce monde-là est vraiment assez compliqué. En même temps, là, ça commence à être compliqué. On est à la fin du jeu, presque. On est à l'avant-dernier monde, hein. Donc on est déjà rendu quand même assez loin. Surtout que je vais vous montrer après les caractéristiques des personnages à la fin. Mais aussi je vous laisserai le générique sans que je parle dessus. Parce que le générique est vraiment pas mal, la musique du générique de fin. Enfin, du crédit. Elle a vraiment son style. Je trouve qu'elle est stylée. Celle de Sonic Advance 2 est pas mal, mais un peu moins bien. Et celle du 3, elle est encore moins bien. Donc bon, ils se sont pas trop foulés dans Sonic Advance 3 pour le crédit. Elle est très répétitive. 2 minutes 50 quand même pour finir ce niveau. Ça commence à être un peu plus long. Attention aux ennemis. Ah voilà, l'espèce de dash, je viens juste de le faire. Même si là, ça servait pas à grand chose. Enfin si, à me restabiliser. Parce que... j'étais en mode galère sinon. Je pouvais pas faire mon dash. Enfin mon spin dash. Car le spin dash, on peut le faire que quand Sonic ne court pas, bien sûr. Sinon, il se met juste en boule. Même s'il marche, hein, il se met en boule aussi. Faut surtout pas qu'il avance. Faut qu'il soit immobile. Vous voyez, de loin, là, on voit peut-être la Green Hill Zone de loin, je sais pas, mais... On voit une magnifique rivière, hein, en background, avec une forêt. Une forêt si immense, tellement immense, qu'on voit que du vert. Ah oui, c'est très... On voit que des trucs robotiques dans Sonic, mais à côté de ça, ils sont sur une terre très saine. Tous les trucs robotiques arrivent à cause de Dr. Eggman, bien sûr. Voilà, encore une invincibilité. Ah voilà, le petit dash, hein, qui fait toujours son petit effet. Bon là il y a quelques phases de plateforme, c'est surtout là qu'il y a quand même beaucoup plus de phases de plateforme. Ah, et c'est là qu'on va combattre contre Metal Knuckles. Ouais, vous croyez que là c'est la petite copine de Knuckles, parce qu'elle est violette, qu'elle a la même skin que Knuckles. Mais non, en fait c'est pas sa petite copine. Une grande révélation, vous allez voir.
Eh oui, c'est Metal Knuckles. Non, je sais pas s'il s'appelle comme ça, mais moi je l'appelle comme ça. Il y a bien Metal Sonic, donc voilà. Metal Knuckles. The Echidna. Il s'est fait complètement défoncer. Et voilà, toujours les petits animaux qu'on délivre. Oui, parce que je vous ai pas dit l'histoire, mais bon, je pense que tout le monde le sait. C'est pas une histoire palpitante. C'est surtout comme ça que ça a commencé, Sonic. Hein. Ah, moi j'ai une magnifique couchée de soleil derrière. Qu'on ne voit plus. Parce que là on est dans une espèce de navette. Non, je crois qu'en fait là on va dans le satellite géant de Dr. Eggman. On s'apprête à y aller, je pense, là. Alors, on est toujours dans l'espace dans les derniers niveaux de Sonic. Hein. Faut le savoir, ça. Enfin, en tout cas, dans les Sonic normaux, si je puis dire. Puisque les Sonic 3D actuels, bah, ça peut changer. Donc oui, sinon je vais vous parler de l'histoire. En gros, c'est Eggman qui veut dominer le monde, qui veut transformer la Terre en un monde robotique, et qui s'appellera Eggmaland, voilà, le monde d'Eggman, si vous êtes fort en anglais, voilà. Et Sonic veut absolument l'en empêcher, et Dr. Eggman, pour ça, lui, pour créer son monde, il transforme tous les petits animaux tout mignons en robots. On se demande comment il fait d'ailleurs. Peut-être qu'il s'y connaît, hein. Il a peut-être fait un bac vétérinaire, non, je sais pas. J'arrête de dire des conneries, surtout que je sais même pas si ça existe. Encore une vie. Ah oui, je vous ai pas dit aussi que quand on est à 9 vies, on ne peut pas aller au-dessus. Enfin, si, là en fait, je sais pas, par exemple, si j'ai 13 vies en vrai. Si je suis mort, et ben ça reste à 9 vies, mais ça comptabilise quand même mes vies d'après. Hein. Même si la note reste à 9. Mais c'est comme ça, c'est parce que je sais pas, ces gars n'arrivent pas à faire un 99. C'est très dur pour eux. Voilà, une musique pas mal encore. On voit les nuages qui bougent vraiment beaucoup. On est sur une espèce de fusée, en fait, finalement, puisque j'ai l'impression qu'on est en train de monter en altitude. Mais après, on sera dans le satellite. Parce que souvent, on est dans le satellite d'Eggman à la fin. Oui, il construit carrément un satellite. Ce niveau est assez compliqué, hein. Vous regarderez peut-être comme ça, vous vous dites ouais que c'est plutôt simple, mais c'est un niveau assez compliqué, assez ardu. Souvent, quand on se plante d'une plateforme, et ben on retombe largement en dessous du niveau, tout simplement. Ça veut pas dire qu'on perd une vie, c'est-à-dire qu'on est obligé de se retaper tout le début du niveau, quoi, en gros. Tout ce que l'on a parcouru avant, on est obligé de se le retaper. Et ça peut être pénible. Et voilà, vous voyez à quel point je vais vite, là. Ce passage, le passage là, de ce niveau-là, est très facile. On fait pas grand-chose, comme vous voyez, et on récupère très facilement des anneaux. Donc, surtout, la fin de ce niveau-là est facile. C'est le début qui est chaud. Et le milieu également. Voilà, l'invincibilité, je pense que je vais arriver à bout de ce niveau facilement. C'est le niveau le plus long de Sonic, hein, parce que celui d'après il est très très court. D'ailleurs, ça m'a étonné qu'il soit aussi court et aussi simple aussi, parce que ce niveau là il est assez chaud. C'est même pour moi le plus dur au niveau de Sonic Advance, hein. C'est le plus dur. Après, bien sûr, il y a les bonus stages qui sont encore plus durs.
Enfin, c'est totalement différent, on peut pas trop comparer ça à un niveau, mais... Vous allez voir de toute façon en quoi consistent les bonus stages dans ce Sonic-là. Dans le premier, on était dans une espèce de labyrinthe sur Mega Drive. Une espèce de labyrinthe là où vous devez... C'était un espèce de flipper en même temps aussi. C'était vu du dessus. On voyait Sonic qui était en boule. Il fallait un peu le faire sauter ou rebondir sur les trucs pour aller récupérer, aller chercher l'émeraude. Parce que les bonus stages sans émeraude, c'est plus des bonus stages, c'est de la merde. Enfin, ok, on gagne quand même un continu hein, si on réussit le bonus stage. Mais voilà, c'est. Voilà, là c'est le niveau qui est très très facile. Mais les bonus stages. Bah, il faut absolument qu'il y ait une émeraude dedans, quoi. Sinon, on s'en fout totalement. Non, il y a des bonus stages ratés, il y a des bonus stages qui sont bien. Là, le bonus stage de ce Sonic Advance 1 ne sont pas ratés, ils sont bien. Je trouve qu'ils mettent très bien à profit le mode 7 de la console. On voit les zooms et les dézooms. Oui, car c'est quand même. La Game Boy Advance, c'est quand même une espèce de Super NES portable. Donc, elle a presque les mêmes fonctionnalités de la Super NES. Même si, bien sûr, au niveau du son, je pense qu'elle est moins bien que la Super NES. Même si elle m'a quand même énormément bluffé dans Crash Bandicoot. Vous verrez, de toute façon, je vous ferai une vidéo sur ce jeu-là. Peut-être de la même façon que ce Sonic Advance, parce que moi j'aime bien cette façon-là de pouvoir parler tranquillement à côté d'une run que je regarde avec vous. Une run magnifique que j'ai faite. J'ai mis beaucoup de temps à la faire, mais c'est bien. Celle de Sonic Advance 2, j'ai mis beaucoup moins de temps à la faire, vous allez voir pourquoi. Je l'ai quand même moins bien réussi, mais bon, ça peut aller quand même. Puis surtout que j'ai mis pas mal de temps à certains boss. Même si c'est pas non plus désagréable, parce que j'ai pas envie de détruire les boss en une seconde. C'est pas l'objectif. Au mieux que vous. Si c'est pour que vous puissiez voir les patterns du boss. Voilà, par exemple, ce boss-là, hein, c'est. On va dire le boss avant-final. Parce que Dr. Eggman va nous faire une petite surprise après. Il va encore s'enfuir, évidemment. Et donc là, bah, ce boss-là consiste à faire bouger les plateformes, comme vous voyez, pour faire retourner Dr. Eggman dans le bon sens, pour pouvoir lui sauter dessus. Le problème, c'est que ces plateformes-là, elles sont vraiment chiantes à faire bouger. Et comme vous voyez, quand même, ce boss n'est pas si évident que ça. Même si, bon, il est pas bien difficile. Il y a presque le même boss dans Sonic Advance 3. Hein. Même, je trouve que c'est du copier-coller, carrément. Même s'il y a quand même quelques différences, mais bon. Ça skin déjà, un peu, mais c'est tout. Pas grand-chose de différent, juste. Bah, vous allez voir de toute façon. J'ai pas encore compressé. Et monter aussi, fait le montage de ce Sonic-là, Sonic Advance 3. Oui, parce que quand je filme avec Fraps, à chaque fois ça commence à. Ça fait une vidéo pour 4 Go, donc vaut mieux la compresser, hein. Vaut mieux la compresser avant de la mettre sur YouTube, parce que 4 Go en une minute, ce n'est pas terrible. Voilà. En gros, là, pour l'instant, la vidéo fait 333 Go. Je n'ai pas encore compressé tout. Pour tout vous dire, celle-là, là, de Sonic Advance 1, elle faisait à peu près la même chose, et maintenant, elle fait plus que 1,30 Go. C'est quand même impressionnant, hein, les compressages. Ah, et en fait, j'ai complètement oublié de vous dire, mais ces deux boss-là sont repris des anciens Sonic. Le tout premier boss qu'on avait vu avant, là, dans ce niveau-là, c'est le premier boss de Sonic The Hedgehog 1. Premier du nom! Eh oui. Et c'est le premier boss d'ailleurs. Dans la Green Hill Zone. Et le boss juste après, c'était le premier boss de Sonic 2. Sur Mega Drive également. En plus, il y avait la même musique en fond avant qui était assez énormissime. Hein. Dommage, vous l'avez écouté pendant 10 secondes. Mais bon, c'est un thème de boss vraiment impressionnant. Même s'il dure pas très longtemps,
À chaque fois, on entend la musique évoluer au fur et à mesure, on entend plus d'instruments jouer. Même si c'est toujours la même mélodie, quoi. Mais c'est quand même bien, tout simplement. Alors que là, vous entendez un thème médiocre. L'un des seuls thèmes qui est assez médiocre dans ce Sonic Advance. Même si peu, bon, on peut dire que ça peut aller pour un boss. Et là, c'est le boss final. Enfin, c'est pas totalement le boss final. Car après, il y a le boss avec Sonic, avec Super Sonic. Si on a récupéré toutes les émeraudes du chaos. Je les ai toutes récupérées, hein. Mais pas sur émulateur. Et j'ai la flemme de les re-récupérer, donc voilà. De toute façon, j'ai pas envie de vous spoiler complètement. Même si je vous ai déjà bien spoilé. Car là, vous voyez carrément le boss final de Sonic. On va dire que c'est un boss optionnel, l'autre. On n'est pas obligé de le faire pour finir le jeu. Là, vous voyez une magnifique explosion. Les explosions sont assez impressionnantes. Hein. Pour de la GBA, il faut le dire. Et Sonic qui va retomber sur sa planète natale, dont on ne connaît pas le nom. Et Tails le prend. Car oui, Tails était de passage, hein, il passait par là. Et il a vu, oh tiens, Sonic est en train de tomber, si j'allais le prendre. Pour amortir sa chute. Normal. Donc voilà, son meilleur ami l'a sauvé. Et Sonic se la pète et il nous dit, merci d'avoir joué avec moi. Enfin voilà. C'est beau, quelle fin émouvante et qui peut prédire que du bon pour la suite des Sonic Advance. Même si le 2 n'est pas si tip-top que ça. Mais il est bien quand même et je vous laisse ce magnifique générique. Ce magnifique crédit. Jouer avec du piano. Et oui, du piano avec de la GBA, mais c'est impossible. Ah bah si, hein, on peut quand même faire un peu de sonorité de vrais instruments et avec la petite console une petite console portable de Nintendo. Bon bah je vous dis à de suite et je vous montrerai les caractéristiques des différents personnages. Re-salut, nous nous retrouvons cette fois-ci sur la sélection de perso. Et bah, je prends d'abord Tails, même si c'est encore, je suis encore pas en direct. J'ai préféré le faire comme ça aussi, pour vous montrer les caractéristiques. Bon, vous pouvez voir, il peut sauter, c'est la même chose. Il peut faire le spin dash, tout le monde peut faire le spin dash, sauf Amy. Et vous allez voir que franchement, Amy c'est le mode difficile du jeu.
car on peut pas faire le spin dash et ça enlève vraiment une grosse capacité parce que le spin dash c'est super. Et bon, avec Tails on peut voler comme vous pouvez le voir avec ses deux queues. Par contre on peut pas se mettre sur sur un rail comme vous pouvez le voir là, il est en train de galérer, il peut pas. Il peut donner un petit coup de queue, hein, c'est son attaque au corps à corps. Donc voilà, et puis c'est tout pour Tails. On peut juste voler et faire une attaque au corps à corps. Maintenant, Amy Rose. On retrouve Amy Rose. Voilà, à la place du spin dash, elle peut faire des petits bonds qui font saut de mouton. Oui, je sais, ça peut paraître un peu con. C'est un peu de la merde comparé au spin dash, mais on va dire que c'est le mode difficile du jeu, hein, c'est Amy. Parce que en plus de ça, et oui, en plus de ça, bon déjà elle peut quand même attaquer au cac avec son marteau. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire que Sonic peut attaquer au cac aussi, il peut faire un petit tacle. Et donc bah Amy elle peut attaquer avec son marteau. Elle peut aussi faire un grand saut, que je vous montrerai après là. Et elle peut. Hélas par contre, quand elle saute, elle se met pas en boule, donc on est obligé d'avoir un timing parfait. Pour faire le bouton B, appuyer sur le bouton B au moment où on va tomber sur un ennemi pour réussir à avoir un ennemi de la même façon que les autres personnages. Donc on est obligé de faire une autre attaque quoi après. Alors que les autres personnages ils se mettent tout de suite en boule direct, alors que Amy non, elle est obligée d'utiliser son marteau. Par contre elle peut utiliser les rails hein, comme vous pouvez le voir. C'est quand même pas mal. Bon elle a pas trop la classe quand elle glisse dessus, mais bon c'est juste un détail. Et voilà, super saut de Amy, très impressionnante. Hein. Grâce à ça, quand même, on peut faire très facilement des passages de plateforme. Voilà, vous voyez que c'est quand même très simple. Et voilà, c'est tout pour Amy. Je pense qu'elle va bientôt regarder vers le ciel pour nous dire au revoir. Ah, je continue quand même la run, mais c'est pas grave. Ah, voilà. Maintenant au tour de Knuckles, The Echidna. Echidna, c'est dur à prononcer. Et bon, j'ai pas fait beaucoup de niveaux avec lui. Et lui, il peut faire des attaques au cac. 3 coups de poing, dont un uppercut à la fin qui fait classe. Il peut également planer. C'est le truc totalement cheaté, vous allez voir, je vais en abuser là. Juste pour vous montrer comme ça. À l'époque, je faisais ça. C'était assez amusant. Même si on faisait pas grand chose dans le jeu, on pouvait se sentir très fort hein, d'avoir fini le premier niveau comme ça. Même si c'est très facile. Vous allez voir, voilà, on plane pendant tout le niveau. Heureusement, le gameplay a été extrêmement bien conçu, enfin le level design a été tellement bien conçu que dans les niveaux d'après, on pourra jamais faire ça, hein, passer le niveau en planant. C'est que dans le premier niveau, même dans le deuxième, non. Dans le deuxième de ce monde là, on peut pas. Bon, j'ai fait un petit fail. Mais finalement, ça peut être bien parce que pour que j'atterrisse pile là, le truc spécial que je veux vous montrer, bien sûr, c'est le bonus stage en utilisant ce bumper géant. Le bumper ou dumper, attends. Non, bumper. Là, vous voyez le magnifique mode 7 de la Game Boy Advance. Qui a, on peut le dire, a très mal vieilli, parce que maintenant on peut faire de la 3D. Surtout que maintenant nous sommes à l'époque de la 3DS, donc voilà. Pour les consoles portables, c'est... Pour la Game Boy Advance, voilà, c'est pas terrible. Donc là, vous voyez, il faut ramasser le plus d'anneaux possible. En fait, le concept était exactement le même que celui de Sonic 2. Sauf que cette fois-ci, c'est quand même un peu plus compliqué. Faut vraiment bah, bouger de partout, en haut, en bas, à droite et à gauche, alors qu'avec Sonic 2 c'était juste à droite ou à gauche. Parce qu'on courait sur une plateforme en 3D dans Sonic 2. Ça a été d'ailleurs repris dans Sonic Rush sur DS, que j'ai également fini à 100% avec toutes les émeraudes. Je pense pas que je vous ferai une super run de jeu là, parce que j'ai remarqué que quand on filme sur l'émulateur DS, eh bien ça rame à fond. C'est pas terrible.
car je peux pas filmer avec Fraps. C'est, on filme directement avec l'émulateur. Vous voyez, là j'ai réussi, hein, il y a à chaque fois deux phases. La première phase, là je devais en avoir 60, la deuxième phase 120. Le double, et là Knuckles rend l'émeraude à Sonic. Je me suis toujours demandé comment Sonic savait exactement où atterrissait Knuckles, hein, où Tails atterrit, où Sonic atterrissait exactement. Enfin non, je me suis emmêlé les pinceaux. Là on gagne un continu. Voilà, là c'est le niveau qui est fini. On peut finir le niveau en 50 secondes comme ça, et aussi un effet 3D pas mal comme ça là. Quand on se retourne vers, quand on veut se retourner vers la gauche ou vers la droite. Là je fais les deux en même temps pour vous montrer le petit effet sympathique. C'était marrant. Voilà, là j'ai fini le niveau. Et bah, j'avais fait pas mal de gameplay après, parce que c'était surtout pour vous montrer pas mal de gameplay, même si vous avez déjà vu les niveaux. Avec Knuckles c'est totalement différent, car il peut planer et tout, donc c'est carrément 4 jeux différents, hein, quand on fait Sonic Advance 1. Avec les 4 personnages, c'est totalement différent, leur gameplay est totalement différent. Donc même si vous finissez la première fois avec Sonic, refaites-le avec Amy, si vous êtes talentueux. Avec Tails, si vous êtes une merde. Avec Knuckles, si vous êtes pas très doué aussi. Mais voilà, enfin pour moi Knuckles c'est le mode très facile, Tails c'est le mode facile, Sonic c'est le mode normal, et Amy le mode difficile, le mode hard, pour les durs. Voilà, là on va combattre le boss, enfin je vais vous laisser ce gameplay, sans que je commande bien sûr. Et je mettrai les notes dans la description, comme d'habitude. Vous allez voir, je vais le défoncer en 2 secondes. Ah, c'est plus facile quand on est avec Knuckles. Enfin même, j'ai quand même fait un gros fail avant avec Sonic. J'avais même envie de recommencer à run, mais non, laisse tomber. Pas envie. Ça s'est bien passé après, donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à l'envoyeur pour de nouvelles aventures. Et on se retrouve dans Sonic Advance 2 prochainement. Je ne sais pas quand, mais on verra.